beaucoup apprécié, c'est la manifestation, l'aspect bon enfant, le côté très sympathique et puis les échanges avec les gens. Et je trouve que c'est vraiment bien qu'on se mobilise, qu'on manifeste contre Monsanto. Pour faire un petit village associatif pour sensibiliser les gens au sujet des OGM. Les OGM, on n'en veut pas. L'Imagra, Monsanto, dégagez. Je m'appelle Frédéric, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Alternativa. Alternativa, c'est un collectif pour la justice climatique. Il y a une coordination européenne et à l'intérieur d'Alternativa, il y a aussi un groupe de désobéissance civile. Et il y a un groupe local à Nantes qui s'appelle le GIGNV. Donc c'est le groupe d'intervention. Alors le deuxième G, on n'a toujours pas choisi ce que c'était. Pour moi, c'est le groupe d'intervention génétiquement non violent. Donc le but, c'est de mener des actions de désobéissance civile. Il faut savoir qu'il y a plusieurs groupes ici localement qui existent, qui mènent des actions de désobéissance civile. Il y a par exemple les désobéissants. Il y a un groupe qui s'appelle aussi l'écosystème. Il y a le MAN 44. Donc voilà, nous notamment au GIGNV, on prépare des actions liées au Roundup, liées à d'autres produits qu'on juge néfastes, qui pour nous sont les ennemis de la justice climatique. 60 000 milliards d'animaux, tout compris, meurent chaque année, et de savoir le taux de déforestation qui est dû à cause de l'industrie de la viande, du lait et même de l'horreur. Pour qu'un monde beau se fasse, il faut déjà qu'on soit alliés. Donc peu importe d'où on vienne, que les nations n'existent plus, mais aussi respecter tout ce qui est vivant. Disons que être vegan, c'est militer 3 fois par jour à chaque repas pour la paix et l'égalité. C'est que la société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une société consumériste. Et dans une société consumériste, c'est le consommateur qui a le pouvoir. Et donc c'est avec nos achats qu'on va réussir à faire bouger les choses et pas seulement en démontrant partout, en cassant, je sais pas, quels que soient les modes d'expression. Ce qui va vraiment changer les choses et détruire un système qui est basé sur le capitalisme, c'est par nos propres achats. Et si on veut voir les choses avancer et voir des produits se développer, c'est aussi en les encourageant et par exemple en quittant certains modes d'exploitation contre lesquels on est. Par rapport à nos valeurs, parce qu'au 21e siècle, aujourd'hui, on est à notre époque, on a des valeurs, on a envie de les défendre, et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de s'engager pour ça. Voilà, merci à vous.